Sénateur Yuri La Tortue a annoncé la présence dans livre Folie jeudi pour signer des livres Petro-Caribé, mon combat pour la reddition des comptes, le devoir de servir. Yuri La Tortue fait connaître un livre sous Petro-Caribé, lui présenter un ensemble de paramètres qui montrait comment l'agent Petro-Caribé a été gagoté. Sénateur Yuri La Tortue, dans le micro Vilner Joseph, à Colin Île de Rest. Principalement, présenter le jeune défait le mois de décembre, livre que m'écrit Petro-Caribé, mon combat pour la reddition de comptes. Livre ça, c'est après 29 avril, 28 avril, jour où quitté Café Trio, que m'te ouais, ça qui t'est passé, acte théoriste qui t'est produit sous deux sénateurs, moi-même un sénateur Jacquito, et nous t'est pensé que, eh bien, mieux vaut que nous écrit livre que nous avons distribué dans toute université, dans classe philo, rito, dans la société civile là, pour nous continuer à faire plaidoyer justement sur Petro-Caribéa en attendant que justice faite, parce que la justice faite, on va le recommencer avec conférence. Et nous, dans le livre ça, justement, nous expliquer, eh bien, pour qui ça, enquête ça, nous fait comparaison de ça, comme ça a fait à ça, l'été qu'a fait, qui était qu'a fait pays à marcher, et en même temps, nous dit pour qui ça que nous-mêmes nous pas voulons que le dossier à l'impôt des comptes, c'est au niveau de la justice, avec des faits à l'appui, faits justement qui passaient sous cinq gouvernements. Donc, en gros, quoi que je dis, comme nous toujours fait avec journalistes qui représentent dans le Parlement, eh bien, nous toujours présenter le livre-là, et c'est peut-être ça nous fait. Mais à côté de livre ça, nous avons un livre que nous avons fait déjà présentation, Le devoir de servir. Nous avons avec nous tout, et demain, puisque nous avons un livre en folie, avec deux livres ça, Petro-Caribé, mon combat pour la reddition des comptes, et Le devoir de servir, œuvrer à renforcer l'État. Le devoir de servir, là, c'est un livre qui parlait de bilan, comme président, qui était sorti depuis décembre. Au niveau, moi j'ai dit député, sénateur, que moi j'ai distribué, mais il va le faire une grande sortie publique demain, 31 mai, au niveau du musée du Mupana, côté Livre Folie, va le faire. Donc, encore une fois, moi je crois que public, premier public cible que nous toujours gagnons dès que nous publions un livre, je ne défais en décembre, et encore cette fois-ci, ces journalistes que moi félicité et que je connais que avec lecture de ça, il fait plus d'interviews avec justement dans les semaines et dans les jours à venir, puisque chaque journaliste pourra bien possibilité de garder et peut-être poser des questions. Mais pour le moment, m'attends et tout le monde demain dans Livre Folie pour que Livre Sayo, justement, qui va à la disposition du public. C'est vrai, vous avez développé l'idée, en fait, vous avez expliqué nous là, l'idée qui est développée dans le texte, dans l'idée centrale là. Mais est-ce qu'on va avoir une explication sur le texte, par exemple, pour une présentation plus ou moins détaillée, mais c'est ça. Mise en contexte, nous te dit que après Capitrio, nous retrouvons. Fait ça, situé à l'intérieur de rige de système. Pas son rige qui vient avec système. C'est un système qui est à travers les régimes, que ce soit le régime du président Rival, que ce soit du président Martelly, à un régime. Le régime, c'est quoi? C'est permettre que comme ça a débloqué, sous des situations d'urgence, côté pas gagner, ni appel restreint, et côté chaque monde utilisé clan politique par eux pour les contrats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les contrats sont donnés, eh bien, il y a justement une surfacturation qui permet les retours. Et, plus loin toujours, garder le contrat à bail, ils ne pas utiliser comme là du tout pour faire le contrat. À partir de ce moment, nous montrer, il y a au moins $1 milliard qui est gaspillé, ok, à travers un projet qui n'est pas fait et projet qui est surfacturation. Et nous montrer que dans 5 secteurs, l'éducation, l'agriculture, la santé, les infrastructures, et puis nous prenons l'énergie à part, nous montrer que si comme ça, dans le domaine, mais qui boit notre pays. Et c'est peut-être ça, nous dit que l'important que le président mande un moratoire pour que l'IPSA et
propre lien pour service de la tête là que l'investir dans secteur ça yo et que le bagaille yo clair que nous connaît exactement comment comme ça passé le ça donc a décidé comment c'est payer parce que justement gagnon mafia moi te dit haïtien et vénézuélien côté que n'a pour ambassadeur vénézuélien a dit comme l'a bien utilisé alors que dans la réalité nous connaît mal utilisé mais c'est parce que Venezuela voyez compagnie le tout et bien lien posé pour payer le par mois pour faire service dans Delco pour $1 million. Venezuela gagne compagnie le côté que les a payé dette là et bien c'est vénézuélien avec haïtien qui gon compagnie ici qui recevra comme là par autre mesure donc gagnon on sorte de mafia qui existait qui fait que jodia nous pas qu'a dit que n'a payé un cob alors que on mafia a décidé manger comme ça donc dans ça ça moi crois que livre là va aider grand public là étudiant comprendre ça qui passé là et surtout en mobilisation pour que pendant question devant la justice pour toute société a vraiment mobilisé sous ça pour que yo pas contribuer à payer un cob que comme ça qui pas utile pays là il y a certains nouveaux éléments que nous mettons. Mais surtout, ce qui est important, c'est montrer que c'est à travers un système qui est toujours en vigueur. Parce que le système, ça continue à faire des gains dans le budget, il continue à faire des gains dans l'aide étrangère. C'est à travers un système que l'argent, ça a passé. À combien de fois vous avez une possibilité de faire ça? Livre ça, je crois que livre vend de 1200 gourdes, maintenant, livre en folie, on réduit. Qualité à délégation officielle haïtienne yo après poursuivre viron yo dans pays Taïwan. Pour jeudi 31 mai, série visite chef l'État te déroulé dans ville Taichung à Taïwan. Li te question de équipement agricole pour vendre diri et puis question énergie renouvelable. L'autre dossier Premier ministre Jacques Lafontaine organisé mercredi après-midi, yo conseil gouvernement pour te discuter sous mise en place ak stratégie y a bien pour utiliser pendant saison cyclone là. Chef gouvernement dit yo prend bonnet face ak vulnérabilité pays. Non visé réduit dégâts catastrophes naturelles au Kakosi. Ministre Justice et Sécurité publique, la M. Jean-Oudi Ali, présenté mercredi 30 mai, différentes activités ministère à entreprendre dans le cadre de feuille de route chef gouvernement Tebayo. Ministre Jean-Oudi Ali, qui tape parlé sous problème insécurité foncière dans le pays, promet citoyens au ministère Justice prêt le travail pour rencontrer avec tout acteur dans le système foncier pour résoudre le problème. Ça. M. Jean-Oudi Ali dit ministère Justice a travaillé pour renforcer brigade contre insécurité foncière agressif, yon façon pour étendre l'île sur tout pays. Pour finir, dans une conférence spéciale ministère communication mercredi 20 mai, ministre de la communication Joseph Guilherme Sedelva réagit sur arrêté qui publié 28 mai qui fait obligation à la police nationale d'Haïti pour soumettre à approbation conseil supérieur police nationale la CSPN toute décision la prend. Arrêté ça met accent sur diverses décisions tant que nomination, transfert dans niveau direction centrale à département quelques membres PNH, formation et renforcement effectif là. D'après ministre Joseph Guilherme Sedelva, décision ça gain pour objectif protéger population et puis permettre CSPN by Dizoli puis bien sous certaines décisions qu'a prend dans PNH là. Voilà amis téléspectateurs, c'était Action Bref sur Télévision Nationale d'Haïti. Merci pour attention et fidélité. Restez branchés télévision pour suivre reste programmation. Bon week-end. Bye bye tout. Voilà, Télévision Nationale d'Haïti en direct, deuxième journée pour Livre en Folie, 24e édition depuis Jardin Musée Panthéon National Haïtien. Yon rendez-vous qui draine yon paquet de monde. Jeudi à deuxième journée depuis matin jusqu'à Kouliag, un peu plus de monde, un peu plus d'école, un peu plus de jeunes écoliers qui viennent dans 24e édition Livre en Folie. Évidemment, toute la presse n'est là pour couvrir l'événement si là. Un événement qui était, même genre avec l'année dernière, il y a deux invités d'honneur. Deux invités d'honneur, ça a parmi 159 auteurs qui ont signé plus passé 1358 titres en 24e édition du Grand Folie. Invité d'honneur, Emily Prophète et bien sûr Dieudonné Fardin. Deux personnages vraiment de chaque qui invité d'honneur parce que en la communauté littéraire, il y a vraiment un gros poids. On monte avec Dieudonné Fardin qui, avec édition Fardin, déterré, là nous dit déterré parce que c'est des classiques haïtiens, des œuvres littéraires que nous pas trouvé encore, nous pas édité. Et bien, il réédité puis fort classique ça. Ça qui vient de permettre que grand pile écolier et un pile jeune personnalité viennent découvrir un peu plus de classiques, surtout les classiques de Jacques-Stéphane Alexis que un pile monde pas ouais et
avec réédition ça, yo vinn notre classe à découvrir. Et puis mi prophète journaliste, écrivain, mi prophète qui non seulement li gagne un poste administration publique parce que c'est lui-même qui directeur général bureau haïtien des droits d'auteur, mais mi prophète tout continuer écrit et mi prophète non seulement continuer écrit, li gagne une émission dans radio de Magic 9 précisément côté le lundi, mercredi, vendredi, li bail rendez-vous pour lui faire de critique littéraire. Voilà, c'est deux personnages extraordinaires qui invitent d'honneur, même gens dans toute notre édition, organisateur qui se journal Le Nouvelliste avec Unibank, toujours prend la précaution d'inviter deux personnages, de choisir d'inviter d'honneur, que public lui-même montre appréciation et bah ça aurait les validations la qualité de travail que vous faites. Nous invités d'honneur bon côté on paquet l'autre auteur des auteurs que gen moun qui t'attend pour être capable signer pour yo pendant journée plusieurs personnalités passées et personnalité ça que on signature que on pas en signature yo prend le temps de dire bonjour de parler avec lecteur yo et c'est ça qui fait que jusqu'à présent là lecteur yo a marché a essayé rencontrer auteur yo et auteur yo tout a marché a essayé rencontrer auteur pareil yo parce que quelque part auteur yo tout yo c'est des lecteurs. Voilà, deuxième édition Livre en folie pour 24, c'est 24e édition, édition 2018 là, c'est un bel parcours, un bel événement, plus gros événement littéraire en Haïti, un événement littéraire qui a né ça a mené d'invités spéciales que le prophète lui-même personnellement t'a invité, on invité tant coup Edoui Plenel, journaliste français, un fondateur Mediapart, journal en ligne indépendant et vraiment, Mediapart, c'est une entreprise, depuis du fait que son journal, mais son entreprise qui prouvait que aujourd'hui, lecteur y a participé dans la contribution pour gagner le plus d'informations que possible. Et vraiment, Edoui Plenel, qui était ému dans la conférence, là, pour le bal par la parole, pour te dire, j'aimerais me répéter, le droit de savoir est plus important que le droit de vote parce que un peuple sans connaissance ne peut pas savoir ce qui est le mieux pour lui. Et j'aime te dire là, évidemment, Livre en folie, c'est surtout un plaisir d'inviter qui a passé, dis-nous bonjour. Et il y a un monde qui est avec nous, c'est un monde que nous connaissons parce que c'est petit TNH, nous aimons dire ça. C'est petit TNH. TNH gagne plusieurs de personnalités comme ça qui passaient et qui marquaient et puis qui étaient dans la tour. Parce que de temps en temps, on vient dire bonjour. Bonsoir André Fouad, poète. Bonsoir Suzelle, bonsoir à tous les amis. C'est pas osé dire ancien journaliste ou bien toujours? Non, toujours journaliste. Son sacerdoce, on ne va pas dire royal. Donc, bonsoir Suzelle, bonsoir à tous les amis téléspectateurs TNH. C'est petit Kaila. Donc, c'est tout à fait normal que je passe dans Kaila pour me dire mon nom. L'année dernière, vous étiez en signature, vous avez un livre que vous avez signé. Année, ça ou pas en signature, mais le livre est toujours disponible. Définitivement, c'est Étincelle Momio. Je prends le prix Avel dans la Colombie en 2010. C'est le prix Joseph Deschalles. Et puis, sous deux jours, je prends le prix, deuxième prix, créé par Dominique Badraville. Dans l'année 2017, dans la couche Jacques Mel, donc deux livres ça a malheureusement pas en signature parce que tu es sorti l'année dernière, mais quand même, il y a un auteur, il y a un lecteur qui profite d'acheter. Oui, bien sûr. Justement, mon question me poser auteur, même là nous pas en signature, qui gens nous vivent vente là, parce que c'est vrai que c'est pas nous même qui vendons, mais est-ce que nous connaissons qui gens vente là passer pendant la journée? Yo? Bon, ce qui me concerne depuis hier, moi toujours en contact avec Édition Miroir qui est édité Étincelle Momio. Malheureusement, l'éditeur de Souffle de Bonjour n'est pas présent à ça, mais en ce qui a trait à Édition Miroir,